Wow. Ah ouais, là, c'est hard. Wow. Ah ouais, là, tout de suite. Bonne arrivée, ma chère Juliette. Merci, Claudie. Tu es resplendissante. Merci. Nous t'écoutons. Bah, écoute, c'est drôle parce que quand il y a quelques semaines, on m'a annoncé qu'il me fallait écrire sur celui que l'on surnomme l'enchanteur, l'homme élastique aux gestes paranormaux, le roi de la roucoulette, le magicien. Je me suis dit, waouh, lourd, on reçoit David Copperfield, le Claudie Show, ça tue. Et en fait, loupé. Il s'agissait de notre superstar du handball, Luc Abalo. Bon, certes, tout le monde sait qu'il a une détente de dingue, hein, et que c'est le Michael Jordan du hand. Je vais donc voir sur le net pour vérifier et admirer les prouesses de notre athlète. Et finalement, surprise, je me retrouve devant un tas de vidéos interviews de Luc qui parlent de tout sauf de sport. Vraiment. Sur YouTube, on le retrouve déguisé en James Brown. Dossier. Attends. Ouais. James Brown. Ouais, ah si, allez, hey, c'est oh, happy good. Non, montre-nous là. Vas-y, montre-nous, montre-nous. J'ai galéré au tournage parce que j'avais pas... Non, Claudie, pas à l'aise, en fait. Tu peux nous refaire toi, James Brown? On dirait que t'as une crise de tachycardie, mon frère. Bah, c'était un peu ça sur non, la fin. Mais Luc, exceptionnel. Vraiment, allez voir. Ça vaut vraiment le détour. Petit brushing, Luc, au top. Mais bon, on le retrouve aussi, eh bien, pinceau à la main, peignant de superbes tableaux. En fait, Luc, en vrai, il aurait voulu être... J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir faire mon numéro. À Madrid ou à Ivry. Ou à Ivry, ouais. À Ivry, oui, donc. Rio, enfin bon. Mais voilà, oui, c'est un artiste, dessinateur, peintre, musicien, photographe. C'est ça, son rêve, en fait. Et quand on lui demande s'il va continuer dans le sport une fois sa carrière de handballeur terminée, il clame haut et fort qu'il tentera enfin de vivre de ses passions. Du coup, j'ai fait le calcul. En fait, admettons que ce soit juste en fait la moitié de ses followers qui achètent ton CD, eh bien, dans tous les cas, on sera disque d'or en une semaine. Mec, on le produit. Ah ouais. Bravo. T'as gagné. C'est la première fois que les gens applaudissent un disque d'or potentiel. Et voilà, c'est ça, tu vois. Voilà. Mais franchement, moi, je dis, ça se tente. Hein. On va le produire au Claudie Show. Ouais. Bon. Ouais. En même temps, quand je pense à Tony Parker... Bref. En plus, en tout cas, ici, nous, Tony, l'invitation pour le Claudie Show tient toujours. Hein. Ouais, moi, je t'attends. On va parler musique. C'est bien qu'il ait sauvé le basket français, parce que le rap français, il n'aurait pas pu le sauver. On va en parler. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec lui. Bref, en plus, ici, nous, les artistes Made in 94, on connaît archi bien. Ce sont des valeurs sûres dont Luc fait évidemment partie. Donc, pour conclure, eh bien, moi, je te souhaite bonne chance et je te félicite d'avoir eu le courage de clamer haut et fort ce que tu étais réellement dans le fond. Et celle-là, c'est juste un petit cadeau pour toi. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis ce que tu veux, être le prince de la ville si tu veux. Tu veux, quand tu veux. Yeah. Allez, chante Michael, merci Juliette. Le Claudie Show fait du bruit. Luc, avant de venir ici, avais-tu déjà regardé le Claudie Show? Non, je t'avoue que non. Bah, c'est ce que... C'est quoi ton prénom déjà? Attends, on va la refaire, non. Je peux recommencer mon billet d'humeur. J'ai recommencé. J'ai pu dire tout à fait les mêmes choses. Big up maximum. C'est pas tous les jours. Tu vas nous faire le plaisir de mentir, s'il te plaît, d'accord? Non, je vais pas mentir, mais par contre, c'est vrai que je me souviens... Juliette, je me souviens pas de ton prénom, mais t'es magnifique. Sincèrement. Les deux jambes, c'est les deux jambes qu'on va te casser, t'as compris? Tes deux jambes, tu vas perdre. Demain, t'es dans l'équipe de France en e-sport, je te le dis. N'importe quoi.